English? English? All right. Au nom du Père, qui, Papa qui se loukele loukelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, et le Saint-Esprit, dit Papa Diangenda Kontima, les trois en une seule personne, l'Esprit de vérité, Papa Simon Kimangu Kiangani, qui est en Kamba, la Nouvelle Jérusalem, l'Omnipotent, l'Omniscient. On est aujourd'hui le 19, un mercredi, le 3e jour de la semaine, au mois de, septembre, l'an 2007. Nous nous trouvons ici à Paris, dans, à l'endroit où on appelle le champ de Mars. Le champ de Mars, Mars, le troisième mois de l'année, d'après le calendrier grégorien, et en face du monument historique, symbole de Paris, édité malgré ce que nous connaissons spirituellement, c'est des francs-maçons. Mais notre problème, notre situation, ce qu'on va évoquer ici, c'est cette place-là, ce que je tiens là. Vous voyez, je fais le geste. Ça s'appelle le mur de la paix. Donc, si vous regardez, vous remarquerez que il y a des, dans ces murs, tout en face de l'école militaire, il y a des écrits. C'est écrit en différentes langues, toutes les langues du monde entier. Toutes les écritures, je veux dire. Que ce soit en japonais, en chinois, en. J'en passe. La graphique, c'est total. Mais il manque une graphie. C'est la graphie issue du trois quarts que le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, Papa Diangenda Kuntima, Papa Simon Kimbangu Kiangani est venu nous révéler en date du 13 mars, je reviens encore, le 13 mars 1972-18 à notre cher papa, Tata Sama Kiamando Mbewa Bela Jompai. Il dormait à Kinshasa. Papa lui appela par le songe, vous connaissez l'histoire, je passe. Il lui demanda de se rendre à Nkamba, la cité sainte, la ville sainte de l'église de Jésus-Christ sur la terre, en son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu Kiangani, où il allait recevoir une mission en faveur de la race noire, le peuple opprimé. Vous vous rendez compte? Partout il y a la paix. Partout s'écrit la paix, la paix. Quand il y a du Congo, l'ouvou vamou. Dans le mot paix, il y a trois choses. Nous avons, papa nous a révélé quelque chose à l'intérieur. Quand vous écrivez le mot paix, il y a P, A, I, X. Et si vous prenez le terme, la dernière lettre, I, X, en fait, ça correspond à un chiffre. C'est le chiffre 9 en romain. Le chiffre romain, barre plus la croix. Ça correspond au chiffre 9. 9, le jour où on est venu sur Terre, c'était le 9 mars l'an 72.
On se retrouve ce jour de mars. 72, 7 et 2. 7 plus 2, ça fait 9. 9, Mundinga yeto savo, kiamona, wamona, umwene, kiampa. Alors, chers papas et mamans, chers amis téléspectateurs, vous qui allez avoir le privilège de suivre ce reportage, on est venu ici en Europe pour rappeler aux Occidentaux. Papa nous a envoyé. Si à l'époque, il y avait le triangle rouge, vous voyez le drapeau du Congo, Baza Kimbangu, donc ex-Brazzaville, il y a un triangle rouge et un triangle vert. Le triangle rouge correspond au commerce triangulaire. L'Europe, l'Afrique, l'Amérique. Et nous avons fait le sens contraire, c'est-à-dire l'Afrique, l'Europe, et à un moment donné, il y aura le monde qui viendra. On ira pour nos enfants, nous rentrons au bercail, où nous allons recevoir la loi. La loi de la Nouvelle Jérusalem, Nkamba, où Papa Simon Kimbangu nous a donné, Nkamba, nous allons donner le message de paix. Allez, Nkamba, Onakamba, comme disent nos chers amis de l'émission, Nkamba, sur de l'univers. Spécialité Simon Kimbangu, Papa Louvamou. Qui il porte ce nom-là d'ailleurs, lui? Il s'appelle Papa Peggy Louvamou. C'est la paix. La paix et la paix. Et donc, je voulais dire que Nkamba, Papa, pendant les 5 mois de Nkamba, ils ont scellé le sort de l'humanité. Pendant le sort de. Pendant cette période de 5 mois, il y avait des cantiques qui étaient descendus sur Terre. Le premier cantique fut Seva Kwaku. Le deuxième, Seigneur irréprochable, pitié donc. Le troisième fut le cantique des ambassadeurs. Vous êtes des ambassadeurs. Donc, je ne vais pas m'étaler. On aura l'occasion de parler au moment opportun. Sachez que le mur de la paix, mais il n'y a aucune paix sur terre si cette paix-là ne vient pas de Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est un Tamba, le centre de l'univers où siège Dieu le Père qui. Papa Kisolo Kelo Kelo, Dieu le Fils dit, Papa Dialunga Nakangani, le Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, lui-même, Papa Dienguenda Kuntima, le siège de toutes les pensées. Car Dienguenda Kuntima, le siège, ce qui mettait les droits au cœur, ce qui s'est révélé que Dieu le Père est devenu sur terre, ça s'est accompli que Jésus-Christ est revenu sur terre, et ça nous a été les droits au cœur, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mon nom, Dieu ne vous voyez, non? Mbuta. MGR, Dia Godway, Dia Congo, Nkwamazaï, Dia Mandombe, j'ai qui? J'ai Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'esprit de vérité, a qui donne toute chose. Merci.